Au volet coopération, renforcement de la coopération militaire RDC-Égypte, le président de la République a échangé le mercredi avec une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne conduite par les chefs d'état-major général des FRDC. La délégation a transmis un message du président Abdel Fattah al-Sissi à son homologue de la RDC pour l'accompagner dans sa vision de renfermissement de relations entre les deux pays. L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sissi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Toutes sortes de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, et on va transmettre ses salutations pour son Excellence, notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sissi, par lequel se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo.